Et salut à tous! Coucou! Donc bienvenue pour cette sixième partie de DMC 1 sur PS3, donc version HD, collector, etc. etc. Donc nous en étions quand nous avions battu ce fameux oiseau sur la... Fait comme un oiseau... Donc sur le bateau. Donc on ne sait pas si l'oiseau il est mouru pour de bon pas. Hein. On ne sait pas si le chevalier de noir est mouru aussi pour de chevalier bon pas. Chevalier de noir. Non, le chevalier noir. T'as dit chevalier de noir. Ah non, non. Chevalier de noir. On vérifiera si il est en Paris. Non. Yeah. Voilà. Et puis bon, si jamais j'ai dit chevalier de noir, je ferai juste une petite coupure comme ça, ça se verra pas. Et donc voilà, alors, peut-être qu'on va encore devoir se les rebattre, parce qu'apparemment ils ont pas beaucoup d'imagination pour les boss, apparemment, hein, parce que vous avez vu qu'on s'est même retapé des fantômes en version miniature et de pierre comme ennemi. Un peu bizarre, c'est pareil, les ennemis, la mort, ben, ils l'ont fait en boss, la mort, hein, mais bon, quand on retape, c'était quand même la troisième fois qu'on s'est débattu, là. Donc voilà, j'espère que ça va être un peu plus facile pour la suite. Et puis, comme vous avez vu, ma femme, elle est au taquet, elle est en forme. Donc on va vite attaquer, comme ça, moi, plus vite on a fini, enfin, plus vite la lumière passe, et plus vite elle pourra faire la sieste. Espèce de biais. Alors, nous voici sur l'écran titre, je vais remettre le son, puisqu'ici il faut tout faire soi-même. Et donc, la mission suivante. Alors aussi, donc, grande nouvelle, bon, ça c'est pour vous samedi, c'est même pas dit que vous ayez cette vidéo-là samedi, bon, on va faire en sorte que. Vous l'aurez peut-être même le vendredi, j'imagine, plutôt, ouais. Donc voilà, nous allons enfin déménager, donc nous allons enfin avoir notre chez nous. Et il va falloir évidemment avoir un temps pour avoir internet. Hein. Déjà que ma carte réseau est un peu cramée. Enfin, ma carte mère est un peu cramée. Donc voilà, il va falloir que qu'on prenne internet à la maison. Et donc le temps, hein, vous savez, hein, ça va prendre 2 semaines pour que la ligne soit effective. Et donc ben, ce sera 2 semaines où on pourra pas vous poster de vidéo. Donc probablement qu'on vous fera des vidéos en avance comme on avait fait pour Resident Evil 4 ou pas. N'hésitez pas à nous le dire si vous préférez que vous ayez les vidéos au fur et à mesure, enfin 3 vidéos par 3 vidéos ou pas, hein, parce que bon, ça nous permet d'un peu mieux réagir sur vos commentaires après en vidéo. Et sinon, ben voilà, on enregistrera. Donc voilà, désolé des désagréments, mais au moins on aura notre petite maison à nous qui nous fera du bien. Alors si je voulais acheter comment ça s'appelle, une eau bénite. Trouver une issue pour vous échapper du navire. Ça, je le sens mal. Ça, je sens que c'est de la nage, ça. Bâton d'Hermès. 2 serpents s'enlever autour du bâton. Certes. Et après... Igloo, 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 igloo. Vachement pas pratique pour viser, c'est super. J'ai l'air de viser un peu tout seul quand même, hein, ouais. Aïe. Ah,
Non, si ça les touchait, ça me dérangerait pas pour autant non plus. Là, je comprends pas pourquoi ça les touche pas là. Hein. Personnellement, je suis un peu à bout portant, donc c'est comme vous voulez toucher là. Va se transformer en démon. Allez, moi je vais me barrer hein, parce que j'en ai marre. Et allez, je peux même pas me barrer. C'est juste pour ça. Au moins dans l'eau, il nous donne les sphères rouges plus rapidement, c'est déjà pas mal. J'ai levé la caméra parce qu'en fait je voulais nager en arrière. Comment ça a pas voulu? On va pas forcer hein. Alors lui il arrive à me toucher mais moi j'y arrive pas. C'est passionnant! Pourquoi est-ce qu'ils ont créé un tel mode de jeu? Il y a vraiment pire que ça. T'apprendras. Donc en gros, elle voulait faire la vidéo du verre du grenier sur les Walt Disney. Hein, quand elle chantait Hakuna Matata. Mais un peu raté. Ah, c'était que ça en fait. Passionnant. Allez, mission suivante. Ah, c'est marrant, on revient exactement là où on était. Alors que le navire a fait naufrage. Non, non, puis je me suis trompé, c'est il y a mille fois pire que ça. Il y a famine en Afrique. Il y a mille fois pire que ça. Ouais, je te dis pas la suite pour autant. J'ai vu qu'elle est en train de chercher sur internet les paroles, genre. Pour faire genre celle qui s'en souvient. En plus, elle cache le téléphone pour pas que je vois. Non, mais c'est trop tard, j'étais pris en flag. Hein. Alors, remontez la surface et dirigez-vous vers le Colisée. Il y a mille fois pire que ça. La crise économique. Il y a mille fois pire que ça. La famine en Afrique. C'est qu'un jeu pourri. Il y a pire dans la vie. La guerre au Mali. La Seine-Saint-Denis. Il y a mille fois pire que ça. Qu'est-ce que vous foutez chez moi? Ben, on squatte ta vidéo. Vous squattez ma vidéo? Il y avait ça dans le frigo. Sur un steak. Il y a mille fois pire que ça. Il y a la bombe atomique. Tu. Il y a mille fois pire que ça. Il y a ton générique. Ce mot signifie. Il y a bien pire dans la vie. Merci les amis. Sortez d'ici. Il y a mille fois pire que ça. Tu vois? Là, on récupère un bouclier. Bah, apparemment pas le choix de toute façon hein, les gars.
Ah, tu me dis bien que la chance elle avait pas duré aussi longtemps. Aïe! Ah ouais, mais mettre direct dans un truc plein de pics là, c'est bon. Alors, un petit grattage du sourcil et on continue. Oh non, sérieux! Deux en plus? Oui, attendez les gars, si je peux vous fuir, moi je vous fuis. Ça va me faire chier. Déjà que un, c'est grosse misère, alors deux. Je vais vous le dire quoi. Je passe par le pont, ce serait quand même mieux. Ah ça, ils ont pas été vicieux au point de nous obliger à devoir tuer les deux lions. Oui, je vais sauter. Et encore. Pourquoi il insiste dès qu'il se fait contrecarrer lui? Voilà. Non mais oh. Ah, on va pas dire non, hein. Quand tu joueras à un jeu, faudra que tu repenses. Il y a mille fois pire que ça. Elle a pas bien longue comme mission, hein. Ah, carrément un B. On va pas dire non non plus. Bon, petite sauvegarde quand même. Et on a encore le temps de faire une mission. Ben, voire deux, hein, si c'est des missions aussi courtes que ça. Hein. Alors, mission 15, la roue du destin. Armez-vous d'un bouclier et de deux lances pour conquérir le Colisée. Ah.
ça va. Ça, c'était le raccourci d'angle, ça. D'ailleurs, il est plus gros que ses copains, lui, hein. Ah, je me disais, j'ai tué le gros aussi. Ah non, mais c'est un petit, ça. J'ai coupé la musique, je pensais que ça était terminé, mais en fait, du tout. Avant qu'ils apparaissent à la fin, tu crois? Non, non, non. Allez, oh. En plus, je crois qu'il était mort, lui. Tu sais comment il avait gueulé? Et pourquoi, comme idée de jeu, on fait pas les Tomb Raider? Tu as pensé de faire les Tomb Raider? Après, on a toujours un autre jeu à faire, c'est pour ça. Tu vas y galérer. Non, je galère pas trop les Tomb Raider. Ah, y'a que moi qui ai tué. Bah après ça dépend de tout, c'est sûr, hein, y a toujours un angle de caméra à la con qui fait que on rate souvent les sous ou quoi, mais sinon après la sortie de ça. Luminite, mystérieuse pierre qui brille dans l'obscurité. Chaque fois je me fais avoir, hein. Ils ont cru que j'avais pas vu que ça se cassait, ça. Mettez le doigt dans l'œil. 3 sur 4. Ah, ça fait plaisir, ça. Qui c'est qui est apparu comme ennemi là? Ah. Bonjour! Ah, je l'ai maltraité. C'est ça que le Stinger, je l'aime. Là. Je l'aime. Oui.
Oh, toi, tu veux des dents aux yeux. Ouais, d'accord. Saloperie. Non, mais c'est bon, quoi. Oh, sérieux. Par hasard, à chaque fois, au moment où je passe, quoi. Mais allez! Je galère pas assez, les gars. Bon, il va y monter sous son truc, là. Ouais, prends ton temps, surtout, hein. Oui, ce que je t'ai pas demandé. Bah, ma foi, en même temps, ouais. Je peux comprendre, hein. Tu me fais un saut long, hyper long, surtout pour aller nulle part. Sauf que c'est pas ça que je demande de faire. C'est passionnant, ça, hein. Allez, on recommence en plus. Mais allez, mais pourquoi il insiste? Je demande d'esquiver. Et allez, encore! Ah, là, par contre, la salle, elle s'est vidée, vidée. C'est vrai. Voilà. Ça, c'est réglé. C'est pas toute morte, hein. Non, mais c'est n'importe quoi. C'est quoi ça? Sortie, j'imagine. Restez loin celui-là, hein. J'adore les changements de caméra qui te font changer de direction. Oh là là, c'est pas croyable. Je suis en train de perdre la vie pour rien qu'autre chose. Non, c'est pas une sortie ça, c'est quoi alors? Ouais, mais je vais me sacrifier, mais sacrifier quoi? Tu vas revenir, il va avoir la mort aussi. Ah, oh, c'est pas possible ça. Pourquoi laisser une chance aux adversaires de contre-attaquer? C'est pour de toute façon se prendre le coup dans la gueule. Par là que je voulais aller.
Voilà. Un peu de santé. Ne fait jamais de mal. C'est chiant hein, quand on est hors de portée, les gars, hein? On se prend des dégâts pour rien. Je sais pas comment je l'ai senti celui-là, mais. En tout cas, je l'ai esquivé au. Aïe! Je l'ai esquivé au bon moment. Alors qu'est-ce qu'il nous raconte le champ de bataille? Mais t'es sûr? C'est la dernière fois à mon avis. Ah bah si ça parle de sacrifice, ouais. Je pense aussi que c'est la dernière fois. Mon avis, il va être plus dur, non? Il y a des chances. Après j'espère pas. Hop là. Ouais. Ah mais c'est n'importe quoi. Ouais, il est plus dur. Ça l'est, c'est n'importe quoi. Tu vas mourir. Ouais, il y a des chances. Pourquoi il me change d'angle de caméra comme ça pour rien là? Je vois plus ce qu'il fait le boss. Eh ouais! Je devine comment qu'il a craché ça à sa boule. Transformation à mon avis. Il est à moitié de sa vie, c'est obligé. Non, je pense que c'est parce qu'il va arrêter de voler tout simplement. Aïe. Juste à esquiver ça aussi. Non, en fait, c'est pas bien compliqué. Il fait d'abord une grosse décharge autour de lui et après il envoie tout droit là où tu
fait de la peine. Ok. C'est vraiment les mêmes attaques que la femme vampire. Hein. C'est la femme vampire qui a exactement les mêmes attaques. N'oublions pas que c'est le DMC 1. Bon, on t'en profiter. Hein. Ah, il avait une aile de moins, c'est pour ça qu'il n'arrivait plus à voler. Ah, comme par hasard, il tombe exactement là où il faut. J'espère qu'il va reposer en paix dans le paradis des oiseaux méchants. Ouais. Ah, j'avais raison, donc c'était bien Sparda. Sparda, c'est son père. Ouais, mais le chevalier noir, c'est Sparda. Sparda, c'est son père. Alors, c'est Virgile. Maybe it was too easy for you. Mundus. His heinous ways make me sick, killing even his own, like they were nothing. He's the one that took the life of my mother, my brother, sure. My mother used to always tell me that my father was a man who fought. Logiquement, t'es censé savoir comment il est mort, ton frère. In the name of my father, I will kill Mundus. Presque, dommage. Ah, mais le but du jeu c'est de rester remonté sur l'ascenseur. Wouhou! Oh, c'est n'importe quoi. Chaque fois il se met sur le bord quoi. Il glisse. Ah, ah, on y arrive. Et voilà la fin de la mission et ici aussi la fin de la vidéo. Donc on va sauvegarder et on vous dit à tout de suite dans les studios. Nous voilà arrivés à la fin de la sixième partie. Hein. Ouais. Ah, ça c'est intelligent. Hein. Pas comme si on avait un autre vidéo. Enfin bref, donc voilà, nous arrivons en fin de la partie 6. Et vous avez vu que bah, le griffon a mouru. Il comptait nous donner à faire. Apparemment, il veut le dernier coup. Qui tuera Mundus, ben, j'ai pas trop compris cette phrase là. Je pensais qu'il allait nous donner un nouveau pouvoir, mais bon, apparemment c'est Mundus qui va nous tuer. À ce qu'il me semble d'ailleurs, dans le DMC, enfin le reboot qu'ils ont fait sur PS3, donc la nouvelle incarnation de Mundus, on le voit bien avec trois yeux, donc normal, il y a les deux yeux normaux et le troisième qui est au-dessus. Donc je pense qu'ils ont dû s'inspirer de ces trois boules là pour le faire. Et après, donc on verra, je me souviens vraiment plus du tout à quoi il ressemble le Mundus dans celui-ci. Hein.
Donc on verra s'il avait au moins 3 yeux ou pas. Et puis là, hein, à part ça, ben voilà. Donc vous savez, comme je vous disais dans la vidéo, donc il y aura prochainement pas de vidéo. Hein. Donc vous l'aurez certainement cette vidéo aussi le vendredi. Et puis ben, vous aurez des nouvelles en tout cas sur. Oui, en tout cas sur Facebook. Sur Facebook via le téléphone, hein, sur ça j'aurai toujours Internet. Qu'on vous dira quand est-ce qu'on aura Internet, etc. Quand est-ce que vous aurez les prochaines vidéos, évidemment, on vous oublie pas. Je ne vous oublie pas, non. Jamais. Et puis voilà, donc j'espère que tout ça vous plaît bien, que vous êtes toujours autant accrochés. Bon, vous savez qu'on est revenu sur vraiment de l'ancien, des MC1. Pour les plus grands néophytes, évidemment, c'est eux qui nous suivent. Mais voilà, il y a beaucoup moins de commentaires qu'avant. Mais bon, voilà, l'essentiel, c'est que vous nous suiviez, que ça vous fasse plaisir d'avoir nos vidéos. Que vous manifestiez un peu de temps en temps, histoire qu'on sache que ça vous fait plaisir de voir nos vidéos. Et puis, enfin, que ce soit pas tout le temps que les mêmes qui se manifestent. Hein, genre, les nouveaux abonnés, ce serait sympa d'un petit commentaire sur la vidéo pour laquelle ils se sont abonnés. Parce que c'est toujours plaisant de savoir pourquoi on a des nouveaux abonnés. C'est intéressant, surtout. Comme ça, on peut mieux cibler le genre de jeu qui vous plaisent, je crois. Et puis voilà. Enfin bref. Donc, j'espère que ça vous plaira, que vous serez suffisamment patient en attendant la fin de notre emménagement et de l'arrivée de la box. Et on vous dit à la prochaine. À une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde. Et amusez-vous bien.